Notre Dieu est fidèle. Nous voulons l'adorer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les anges dans le merveille des rachetés hauts, chantant à l'unisson, alléluia. Roi vit pour toujours, et que Jésus le fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans le merveille des rachetés, chantons à l'unisson, alléluia. Saint, saint, saint et l'éternel Dieu des armées, Yahweh, tu es saint. Oh, t'appartiennes à jamais, chante, tu es saint, tu es saint. Saint, saint et l'éternel, Dieu des armées, chante avec moi, oh, tu es saint. L'honneur, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, tu es saint, tu es saint. Yahweh, Yahweh, bisoto kotombola, kitina yo yangulu. Yesu nangai, na mitema totatoli yemba yozalinza. Hambe, maboko pe mitema, maboko na likolo, likolo, na loyembo oya basantu. Na banje to lobi boye, na banje to oyemba. Alléluia. Alléluia. Saint, Saint Jésus et l'éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es comment Jésus? Tu es saint. Oh, Jésus. L'honneur et la gloire. Et la gloire t'appartiennent. À jamais. À jamais. À jamais. Ah ouais, mon saint, toi Lola. Tu es saint. Papa, alors que nous allons commencer aujourd'hui autrement, vous comprendrez alléluia, que alléluia. Aujourd'hui nous n'avons pas commencé avec les génériques. Jésus. Nous avons commencé avec Dieu. Papa, je voudrais que sur cette atmosphère, que vous puissiez nous recommander ces moments entre les mains de Dieu. Alléluia, alléluia. Père éternel, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes encore avec notre papa John, notre président. Je te dis merci, mon Dieu, pour ces personnes qui vont nous suivre, mon Dieu, aujourd'hui, ceux qui vont nous suivre en différé. Nous croyons que ce programme sera toujours une bénédiction pour toute personne qui aura l'occasion, n'est-ce pas, de suivre. Père éternel, que là où tu es prêché, qu'il y ait des guérisons. Que là où tu es prêché, mon Dieu, qu'il y ait Yahweh Sabaoth, le miracle et les oracles automatiques. Bénis nous sommes, accomplis nous sommes au nom de Jésus-Christ. As we prayed, we say thank you, Jesus Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. En tout cas, papa, j'ai commencé même à changer la façon de parler. Je voulais m'adapter à la musique. Donc, je disais que c'est toujours un plaisir de vous avoir. Amen. C'est vrai que nous avons fait 2-3 jours, nous ne nous sommes pas vus. Et vous étiez parti dans une mission évangélique. Amen. Si ce n'est pas un secret, est-ce que vous pouvez partager avec nous la mission évangélique? C'était amen. Où? Ça consistait à quoi? Vous êtes parti voir
notre communauté ou c'était dans un autre cadre? Oui, c'était justement pour la prière d'une famille avec qui nous prions, avec qui Dieu avait touché pour que nous puissions, n'est-ce pas, passer juste un petit week-end en prière où nous avions prié et partagé la parole de Dieu devant un nombre très réduit. Mais l'Éternel nous dit dans sa parole, là où deux ou trois sont réunis en son nom, Dieu est là. Et nous sommes de retour. Et déjà demain, nous avons encore une autre petite mission. J'appelle ça petite mission parce que nous sommes plus petits que tout. C'est lui qui est grand, notre Dieu. Amen. Demain encore, je repars pour une mission à Kentucky. Et après Kentucky, nous serons à Indiana. Après Indiana, je serai à Portland. Et nous avons notre grande manifestation ici à Champaign le 9 septembre à partir de 15 h pour prier pour notre communauté congolaise d'Amérique tout entière. Pas seulement d'ici, mais ça sera à Champaign. Que Dieu vous Voilà, bénisse. je crois que prochainement nous aurons des affiches. Ça sera pour prier pour tout le monde. Priez pour tout le monde. Il suffit simplement que vous identifiez chrétien. Il suffit simplement que vous pensiez qu'il y a un être supérieur qui est créateur, qui nous a créés, en qui nous devons devenir. Nous n'avons pas encore commencé les affiches. Je crois que d'ici là, nous en aurons. Il y aura des affiches pour nous rappeler. Et comme on dit toujours, ce n'est pas l'affaire de la communauté, mais c'est l'affaire de nous tous. C'est l'affaire de nous tous. Il y en a qui se sont réveillés le matin pour aller au boulot, l'accident les a pris. Il y en a qui se sont endormis, qui ne se sont plus jamais réveillés. Il y en a qui voulaient appeler, accompagner la femme à l'hôpital. C'est eux-mêmes, en fait, qui se sont retrouvés à l'hôpital et morts. D'ailleurs, c'est pour ça que nous allons parler pour notre compatriote. Il y a un compatriote, en fait, qui est mort à Chicago. Je ne le connais pas, mais il est congolais. La communauté ici, nous ne le connaissons pas, mais il est congolais. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas à Champaign. Hier, je parlais avec les gens de Chicago. Ils m'ont dit qu'ils ont fait appel à beaucoup d'autres communautés pour que nous puissions l'honorer. Vous savez qu'ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand vous ne réagissez pas, eux vont prendre leur méthode. Et leur méthode, c'est quoi? On va incinérer. Et je ne sais pas si vous voudriez qu'un jour on vous incinère simplement parce que les autres compatriotes n'ont pas pu avoir la main dans la poche, tout ça. Tout à l'heure, là, j'ai regardé sur le GoFundMe. J'avais publié le GoFundMe il y a 2 jours. Je vais encore republier aujourd'hui. Quand j'ai publié, je crois, il y avait 100 dollars, 105 dollars. Hier, j'ai vérifié, il y avait 135 dollars. Aujourd'hui, je crois, il y a 200, 200 et quelques. Je vais passer encore sa photo. Et puis, je vais vous laisser passer un message que les compatriotes ont envoyé hier. Je demandais la permission si je pouvais passer ça. On m'a autorisé. Alors, je vais mettre la photo du compatriote qui est mort. Ça pouvait être ton grand frère. Ça pouvait être ton cousin. Ça pouvait être ton père. Ça pouvait être ton oncle. Il est venu ici étudiant. Il était étudiant ici. Alors, il ne travaillait pas. Il était full time. Il n'y avait que sa femme qui travaillait. Ce qui fait qu'il n'avait même pas d'assurance. Et lui devait accompagner sa femme à l'hôpital. Sa femme ne se sentait pas bien. La femme se préparait pour partir. Il dit à sa femme, donne-moi un peu d'eau. Donner de l'eau comme ça à l'homme, il est tombé. La femme appelle l'ambulance et on amène à l'hôpital. C'était juste pour constater sa mort. Et c'est lui qui devait accompagner sa femme à l'hôpital. Donc, personne ne prévoit la mort. Et voilà une mort très brusque. Il n'était pas malade. Et on devait faire l'autopsie. À la dernière nouvelle que j'ai hier, on devait faire l'autopsie pour voir pourquoi il est mort. Mais maintenant, il n'a pas d'assurance. C'est vrai parce que les gens disent, est-ce qu'il n'a pas d'assurance? Il n'a pas d'assurance, il a sa femme et je crois son enfant de 13 ans, selon ce que j'ai appris. Alors, je vais vous laisser suivre les gens de Chicago, eux qui nous ont envoyé le message. Je vous prie, s'il vous plaît, il n'est pas dans la communauté congolaise de Champaign-Kanimé, mais il a le sang humain, il a le sang congolais. Nous sommes des milliers de Congolais ici. Nous avons cette sensibilité. Ils m'ont dit qu'ils cherchent 15 000 dollars pour enterrer notre papa. Bon. Et je sais que vous allez donner au-delà de 15 000 dollars. Nous faisons, aujourd'hui, c'est, nous allons parler de la prière et de la foi. La prière et de la foi. Il y aura des questions. Et je crois qu'aujourd'hui, une foi sera activée. Voilà, je vais mettre ça. Je vais vous mettre la figure du compatriote qui nous a quittés à Chicago. Et puis, je vais laisser parler le message qui va l'accompagner. Il est là, Monsieur Michel Palasso. Monsieur Michel Palasso, je vous fais suivre.
Écoutez attentivement ce message. C'est un message qui m'a été envoyé hier. Je vous demande de l'écouter très attentivement. Attendez, je vais chercher ça. Juste le temps que je les retrouve. Voilà. Voilà. Je voudrais que vous puissiez écouter vous tous. On y va. Allô, Ndeko. Bonjour, bonsoir, Pozali. J'habite en Abinoté. Bon, ngai, comment ngai, Ndeko Jean-Pierre Nkanga, Naza à Chicago. Naza parmi ba mikolo ou baza ko songa ba Ndeko, baza fanina du page kani. Bon, message Patricia Tinelaï ngai, na koma ipana bino. En principe, tout ça pendant na problème. Ndeko a koufi, comment na e Michel Palasso. Aye na mboka ou y a de cela 7 ans. Azalaki me azal médecin, atanga na Nigeria, asisa kuna abanda ko sala. Nde ayagi awa, tant ba sali renifiso famille na mwasi na ye. Akomi awa mwaye a exercer professionnel ya médecine ezate, ba obligé à ce bakour mususu. C'est ainsi que non, à comment que le corps a full time student. Alors, à Zakotanga, nani otozali na mois de novembre ni gradation na ye yango wana. Akufi subitement. Mokolo ya vendredi, falaki na otika mwasi na ye na hôpital parce que basalaki mwasi na ye opération nde balongo na mabanga na barin. Opération liboso esimbaki te, mabanga mosusu eboti, fa ke deuxième opération. Asokoli, alati, na salon kaka balingi bazwa azwa fongola akende abi nayoki motema mpasi. Abisa mwasi na epesanga mai na mela. Bapesi mai ya meli ya mai ya pio, asantir mwa malamu. Mwasa mati likolo azwa saki po aya kuta mubali akoyi. Ti baza a 5 minutes ya hôpital ya munene pepe na bango. Ambulance ekomi mbangu mbangu, ambulance ezwiye bake na hôpital. Mwasi na bandeko mosusu bakongole balandaki bango kuna bakomi na hôpital koko bazokoma bazoka informa keno akufi. Mon frère eza foudre mpona biso nyonso tout. Eza foudre. Sikoyo aza na life insurance te azaki étudiant asalaka te moto asalaka mwasi. Mwasi dans l'espoir ke nasala bovata mibele bele 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 mobali nanga silisa. Le bureau sont assis sur la classe, vieux au bon. Donc, Kokundaye, ça m'a passé. Tous aussi, un gouvernement soutien. Azaline de Kokongolais, Abotamé na Lissala, Né Aïe Kisasa, Asali Bavietil primaire, après Aïe Kosa Université na Nigeria. Nous sommes tous pour Tinda papa. Vraiment, il y a un malam. Tout ça, il y a un posa, tout ça, il y a besoin de sungi. Boule, il y a un salaire à moi aussi. Moi aussi, mon abîme, c'est gaga, 5 000 dollars pour nous avoir un bal. Tout bien, il y a un Joliet, il y a un Aurora, il y a un Bloomington, il y a un Sida Rapide, tout ça, il y a un ici partout. Tout ce qui est communauté, va soudaner. Et bien, il voit rien pour que tout coule d'ailleurs. Ce que je m'en ai dit, c'est que je suis champion. Je suis un peu de temps. Je suis un peu Chris. Chris Nkunku. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Na voice, en tout cas, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps la semaine prochaine parce que je suis un peu de temps. Mwenta mamoni ka koma ki na hôpital e Bembe mbila pe ya involve amoni ki fasa le tout ça ka e bomie bon ta ko mona pe le bakate ke no
aza presque un médecin de l'Amérique, moi Kandaka, maintenant ça, humanité accueillie. Donc c'est ça. Donc aza ndeko yo, aza ndeko awate, aza. Voilà. Je voudrais que vous puissiez écouter le brut du message sans que je ne change rien que ce soit. Vous avez vu, vous avez entendu comment le compatriote est parti. Vous avez entendu. Je ne vais pas beaucoup parler. Je demande votre cœur patriotique. Je crois sur la photo là, il y avait les montants. Il y a le montant. On a besoin de 15 000 dollars. Bon, on a dit que sa femme a déjà 5 000 qu'elle a donné. Mais en ce moment que nous faisons le direct, je vais encore repartager ça maintenant là. En ce moment que nous sommes en train de faire le direct, 295 dollars. GoFundMe, tout le monde peut voir combien on donne. 295 dollars. Je repartage ça encore. Je partage ça encore sur notre page. Pour ceux qui vont dire non, on va chercher, c'est où? S'il vous plaît, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Si nous sommes 10 000 personnes qui donnons 1 dollar, nous avons 10 000 dollars. Et nous sommes combien de Congolais ici? Ne serait-ce qu'un dollar, s'il vous plaît, prenez votre téléphone, 295 dollars qui sont là maintenant, avant que nous puissions terminer ce direct, que le nom s'ajoute. Ajoute. C'est pas pour moi, c'est pas. Je ne le connais pas. Mais c'est un être humain. S'il vous plaît. Aidons à enterrer notre compatriote de Chicago. Envoyez directement au GoFundMe. Mais si vous voulez appeler pour plus d'informations, vous voulez être discret, vous appelez le plus 1 si vous êtes en dehors des États-Unis. 630 407 70 14. Je reprends. Plus 1 630 407 70 14. Nous présentons plutôt, nous présentons notre très sincère condoléance à la famille biologique et à la grande famille communautaire de Chicago et à nous tous, la grande famille des États-Unis. Nous savons que nous n'allons pas avoir la honte. Nous allons contribuer. Si vous m'avez écouté, nous avons 10 personnes en ligne là, je crois. Si déjà ces 10 personnes, chacun donnait ne serait-ce que 10 dollars, 10 dollars, 500 dollars qui va s'ajouter. En tout cas, je nous prie de réagir. Je nous prie de réagir. Et que son âme repose à paix. C'est pourquoi nous devons nous apprêter chaque jour. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le moment, ni le temps, ni comment. Selbish Kisoka, maman Selbish Kisoka, Mbote Prezo, Mbote Nope, maman. Papa Chris Boulembi, l'homme de Dieu, prophète Chris. Que Dieu vous bénisse, ainsi que prophète Jean-Marie Kanganga, Mama Priska et tous les autres, que Dieu vous bénisse. Glory to the Almighty. Louange Cascasia. Jésus, voilà. Merci à vous qui êtes connectés, Maman Marie Chibola. Vous nous suivez depuis Tennessee. Que Dieu vous bénisse. Et à ceux qui sont connectés, que je ne vois pas, que Dieu vous bénisse. Papa, nous allons parler de la foi. J'ai pris beaucoup de temps. Il n'y a Je pas vais de vous laisser problème. aussi beaucoup de temps pour parler. Nous allons parler de la foi. Commençons d'abord. La Bible dit la foi, c'est la ferme assurance d'une chose qu'on ne voit pas, je sais pas moi, les choses qu'on espère. Maintenant, la foi chrétienne, c'est quoi? Un peu Ça, c'est la comme. foi selon la Bible. Maintenant, la foi chrétienne, c'est quoi? Mais la foi, selon la Bible, c'est ça la foi, selon Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà donné la définition de la foi. Et ça, je suis vraiment béni, président John. Et je tenais aussi à prendre quelques secondes pour partager la douleur, la peine avec la famille de notre frère Palasso, Michel avec Palazzo. notre regretté docteur qui vient de nous quitter, à sa femme, à son enfant et à notre communauté américaine de la RDC. Vraiment, my deepest condolences. Quand j'écoutais la voix de son oncle, je ne sais pas, ça m'a vraiment fait mal. Mais que pouvons-nous dire? C'est la voie par laquelle nous devons aussi passer pour aller de l'autre bord, pour voir Dieu en réalité dans l'éternité. C'est le passage obligé. Que son âme repose en paix et que Dieu bénisse et garde sa famille. Donc là, Papa John, je voudrais ici, comme j'ai toujours dit,
pas avoir le monopole des définitions, des réponses, mais nous allons essayer de répondre aux questions et que le Saint-Esprit nous aide pour que tu m'en sa ma réponse oyo et que ton gabiso peut comme ma confusion mais ma plus éclaircissement. Donc papa Dieu nous définir déjà foi selon la Bible et quand vous me posez maintenant la question de savoir la foi chrétienne. Je sais que ceux qui vont me suivre, au moins, on a peut-être une autre élimbie. Ça, je dois vraiment être honnête, papa John. La fatigue est là. Je fais des longs voyages par avion, par route. Mais trop méga couvert là, vraiment à la hauteur. Papa John, la foi selon moi, au nom de Jésus-Christ. Vous venez de définir cette définition générale que tout chrétien connaît. Mais moi, j'aime dire une chose. Je crois que j'ai même posté sur mes statuts avant-hier, si je ne me trompe pas. J'avais posté, et ça m'étonne d'ailleurs les thèmes que vous mettez. J'avais posté en disant, parce que j'ai toujours dit, Dieu, il écoute la prière, mais il répond à la foi. Il écoute la prière, mais il répond à la foi. En fait, je vais amener quelqu'un dans une définition d'une rhétorique personnelle, mais qui pourra bénir quelqu'un. Pour moi, la foi est le décodage du miracle. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je peux maintenant expliciter ce que moi je définis comme foi. La foi, c'est pour décoder son miracle. La foi, c'est le décodage du Du miracle. miracle. Est-ce que vous pensez que nous avons vraiment besoin des miracles? Le miracle est proportionnel ou le miracle n'est pas miracle chez vous, mais c'est un miracle pour moi. Je m'explique. Quand je dis c'est un décodage, je vais donner des versets bibliques, mais je voudrais, j'ai toujours dit une chose dans ma vie quotidienne. Il faut que nous devenions aussi des Bibles pour bénir ceux qui nous regardent. Parce qu'il y a des athées, il y a des incrédules, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui devront voir Dieu par ce que Dieu fait par ta foi, par la matérialisation de ce qui est inexistant. Parce que rappelez-vous, vous avez dit une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc déjà, c'est un monde mystérieux. La foi ne provient pas du physique. La foi provient du spirituel. Ce qui fait que quelqu'un qui a besoin, je vous explique, quelqu'un, regardez notre docteur qui vient de partir. Il avait des projets, n'est-ce pas? Il voulait terminer, sa femme faisait les overtime et le docteur étudiait pour que demain, qu'il soit en mesure de redonner la joie. C'est-à-dire, même les gens qui étudient, ils étudient pour réussir. Alors, quelqu'un qui développe la foi, c'est pour une solution. C'est pourquoi cette femme, on va lire ça dans la Bible, la femme qui a touché la robe de Jésus, ne voyait pas qu'il était en train de chercher les décodages pour que la maladie disparaisse. C'est comme un code du téléphone. Quand vous n'avez pas les patterns, vous n'avez pas les pins, même d'une carte, vous pouvez avoir l'argent dans votre carte Visa, Papa John. Mais s'il n'y a pas les codes, vous pouvez mourir pauvre parce que vous manquez seulement les codes. Et la foi maintenant, c'est un moyen par lequel Dieu passe pour voir des choses sans pour autant qu'on tape les codes physiquement, mais que nous puissions recevoir ces choses avec les mains de la foi, qu'on voie ces choses avec les yeux de la foi, qui n'a rien à voir avec les yeux physiques. Donc pour moi, la foi est une dimension de créer son miracle en Jésus-Christ. La foi, c'est une dimension de créer son miracle en Jésus-Christ. Je profite pour dire bonjour en Afrique du Sud où vous nous suivez. Maman Yvette Kiato, mère double, merci d'être connectée. Salutations à tous les enfants. Maman Yvette Kiato, Que vous Dieu portez bénisse les maman. mains. Maman Yvette Kiato, mère double, je crois que vous allez communiquer la foi pour que le mère double base à la belle. Maman Alléluia. Olga Senemo, que Dieu Que vous Dieu bénisse bénisse. maman Olga. Maman Tekwene Mambo, que Dieu vous bénisse. Papa, Alléluia. la foi, vous avez expliqué, c'est un décodage de miracles. Papa John, je n'ai pas dit que c'est un décodage des miracles. Écoutez-moi bien, Papa John. La foi est proportionnelle au problème. Ou, when someone needs something, you may be needed a car. I can be needed a house. Quelqu'un d'autre est en train de vouloir vivre un voyage. L'autre cherche le mariage. L'autre cherche l'enfant. Maintenant, nous tous, nous avons un besoin, mais nous avons un dénominateur commun pour ce miracle-là. C'est la foi en Jésus qui devient maintenant celui que j'appelle les dénominateurs communs pour le décodage du miracle, c'est Jésus. Et je ne sais pas si vous permettez que je lise la Bible, s'il vous plaît, pour que je sais que nous avons des grands hommes de Dieu qui nous suivent. Papa John, je suis dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux 11, 6. La Bible dit, Or, sans la foi,
il est impossible de lui être, de lui être agréable. Donc déjà, apparemment, selon les écrits, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, je me pose la question. Dieu nous a déjà donné Jésus-Christ sur la croix. Pourquoi il dit qu'il est rémunérateur? Donc, il est en réalité celui qui nous donne des réponses aux choses que nous désirons recevoir. Donc, la vie d'un chrétien, c'est une vie de recevoir de la part de Dieu par le biais de la foi. Parce que je sais qu'il y aura toujours une sous-question, la prière et la foi. Parce que quand Papa John, je m'excuse, dans de tels sujets, il va vraiment créer un parallélisme pour que j'explicite la différence. Mais là, déjà, je vous dis, quelqu'un qui croit en Dieu, avant qu'il n'ait prié, il peut déjà recevoir un miracle. Sans prier physiquement. Quand il croit. Donc, c'est ça un peu ma petite réponse. Vous savez pourquoi je rigole ici? Je vois des gens en ligne ici. Ça me fait du bien. On n'a pas prévu qu'on devait être là. Je n'ai pas annoncé. Maman Ghislaine Boukassa. Papa Patrick Boukassa. Que Dieu tous les enfants. Junaya, Junaya. Tous les Naya. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Papa, écoutez. Vous savez que je vous ai suivi en train de rigoler. Pourquoi? Vous avez dit que la foi, nous avons tous un dénominateur commun. Yes. Et puis croire en Dieu. Est-ce que vous pensez que croire peut aussi être défini comme la foi? Pourquoi? Je m'explique. Merci beaucoup. Je commence la première primaire. Je crois que je veux réussir. Yes. Je fais tous les efforts. Mm-hmm. Je veux réussir. Est-ce que ça aussi c'est une foi? Merci beaucoup. Papa John, n'oubliez pas aussi que Dieu ne se répand pas de ce qu'il impose déjà comme un « a must », un principe. La Bible dit, je vais chercher cela. Je suis dans Marc chapitre 6, le verset 5 à 6. Écoutez, Papa John, j'ai vraiment pris soin de mettre tous les versets ici pour qu'on ne perde pas le temps. Il n'est pu faire là aucun miracle. Écoutez-moi, Papa John. Il n'est pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus procurait les villages d'alentour en enseignant. Papa John, un enfant qui est à l'école primaire, vous dites qu'il développe une foi. C'est comme quelqu'un, un enfant. Non, il croit avec son intelligence. Je crois que je finirai mes études. Voilà, c'est comme ça que je dis. Il applique déjà au fait un principe divin sans qu'il comprenne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mm-hmm. C'est pourquoi je dis Dieu. Il y a même les occultistes. Il y a même des sorciers qui appliquent les techniques et tactiques de la Bible. Et ils voient des résultats. Je dis bien, ils voient des résultats. Maintenant, tout résultat ne découlant pas de la base, du fondement qui est Jésus, la fin ne sera pas élogieux. Ça sera une fin tragique. C'est comme ça que je dis, un enfant qui étudie d'une manière dure, il répète ses cours, il dit, je crois que je dois réussir. Écoutez, même s'il n'a pas prié, Papa John, je crois que vous avez fait l'université, il y a eu des amis, il ne croit pas en Dieu, je vous dis, il étudie, il réussit plus que même des chrétiens qui négligent. Donc, la foi est une dimension d'abord de croire. Et je suis d'accord avec vous. Croire, déjà, c'est une dimension de foi. Quand je crois que je vais manger, sans déjà prier, tu vas manger à la fin de la journée. Parce que la croyance est incluse. On dit incluse ou inclus, je ne sais pas. La croyance... est incluse. Incluse? La croyance est incluse dans la foi. La foi est la... C'est le mot global qui englobe et l'espérance, et le verbe croire, et le verbe, tout le verbe là qui positive une réussite, c'est englobé dans la foi. Donc quelqu'un qui croit déjà à ses talents, il dit, moi je serai un grand joueur. Quand il croit, déjà il pratique la foi. Maintenant, si cette foi n'est pas basée sur Christ, la fin sera tragique. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux émettre ta foi, tu as une licence. Tu es meilleur, tu deviens professeur, tu finiras dans l'occultisme. Parce que tu vas croire que ton intelligence là, c'est celle-là qui te donne ce que tu as. Or, quand tu vas avancer, tu vas te trouver bloqué et tu commenceras à lire des livres qui peuvent te plonger dans l'occultisme et dans la scientologie. C'est là où j'ai dit, une croyance qui n'est pas basée sur Jésus-Christ est une croyance éphémère. Donc, voilà. Croire, c'est avoir la foi. Croire.
croire, c'est Mais en avoir la qui? foi C'est en ça la Dieu. question. Mais est-ce que la foi, c'est une exclusivité chrétienne ou bien même les athées peuvent avoir la foi? Merci beaucoup. Le voleur, quand il va le soir, il dit quoi? Narozo, vrai plan. Voilà. Il a la foi que Esika Okenekoiba a vrai plan. C'est une foi. Est-ce que c'est seulement chrétien ou bien la foi, elle est pour tout le monde, que ce soit le chrétien, que ce soit les non-croyants, tout le monde peut avoir la foi. Papa John, je me répète encore ici et je demande encore à notre Église, à ceux qui nous suivent, la foi n'est pas l'exclusivité du chrétien. Non, 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 non. C'est une erreur que nous faisons. Je nous dis encore ici, nous venons de lire nos dés, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible De lui être agréable. à qui? À Dieu. Ici, on ne parle pas de Jésus. Je m'excuse, je sais que Jésus est Dieu. Je sais que Jésus est Dieu. Mais ici, je parle, Paul nous dit ici, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc déjà avant que Jésus-Christ vienne, c'est lui qui avait s'approché de Dieu d'abord avoir la foi. Sinon, on va dire, avant que Christ ne vienne, et donc les Moïse, les David, ils avaient foi en qui? David avait foi en Dieu. C'est pourquoi je nous ai dit la dernière fois, devant Goliath, David a combattu parce qu'il avait confiance en Dieu. Il avait foi en Dieu. Donc, la foi n'est pas d'abord l'exclusivité, De entre chrétien. guillemets, des chrétiens. Non, 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 non. Parce que je voudrais bien ici vous dire, je ne vais pas entrer dans un débat théologique, mais je vous dis, même dans les Corans, moi j'ai étudié dans les Maghrebs, j'étais en Tunisie, j'étais en Égypte. Écoutez, Papa John, il y a des versets dans l'Ancien Testament de la Bible qui se retrouveraient aussi dans les Corans. Il faut faire attention. Donc, même le musulman, il croit en Dieu. Quand vous partez en Asie, j'ai été en Thaïlande, à Bangkok, vous allez voir que même les gens de là, ils ont aussi, pour eux aussi, ils disent, nous croyons en Dieu. Ils font même des prières dans leurs lacs là, ils jettent des fleurs. Même en Inde, ils croient en Dieu. Maintenant, moi, mon problème ici, je viens dire à ceux qui nous suivent, j'aimerais bien qu'on sépare les débats. Ici, j'ai toujours dit que moi, je suis christocentrique. C'est-à-dire, moi, je base maintenant ma foi. J'aimerais bien demander à l'Église de baser leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ, au-delà de la loi, c'est lui qui nous connecte à la grâce. Il faut faire attention. Quelqu'un qui développe la foi en Jésus-Christ maintenant, il est dans la nouvelle alliance. Miracle n'est pas différent. Non, miracle à Moïse. Rappelez-vous que Moïse a marché, hein, papa. Il a séparé les hommes, il a aussi marché. C'est-à-dire, il a encore souffert. David, oui, il avait la pierre angulaire, prophétiquement. Mais il a combattu, il a transpiré. Mais Papa John, vous savez combien de Goliaths tombent seulement parce que Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Quand vous priez dans votre chambre, Dieu épargne la mort dans la vie de Kenista. Quand vous priez dans la chambre, les accidents qu'on met sur vos pneus. C'est-à-dire, la foi maintenant est une dimension qu'on a Jésus qui nous crée les surnaturels au-delà de ce qu'on dit. Ça nous crée le surnaturel au-delà de ce qu'on dit. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de foi entre les chrétiens occidentaux et les chrétiens africains? Je m'explique. Merci beaucoup. Il faut vraiment expliquer, Papa John. Je m'explique. D'accord. En Afrique, quand les gens vont faire quand ils ont leur foi, il va rester à l'église du matin au soir parce qu'il a la foi que Oui. le boulot va les suivre là-bas. Voilà. En Occident, quelqu'un a la foi, il fait son business, il sait que quand je reste à la maison, je ne fais rien, l'argent ne va pas tomber, la main ne va pas tomber. Premier exemple, c'est ça. Je vous donne un exemple de la différence parce que Palpable, oui. vous venez quand même de Miami, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes ici à Chicago, vous êtes à partout. Alors, les Africains, quand ils prient, parce que nous disons que c'est l'homme blanc qui nous a amené, c'est l'homme blanc qui nous a amené l'église, parce que nous avions nos dieux.
Et je demande à ceux qui nous appellent que nous sommes en direct, si je peux les appeler après. Je vous appelle après, juste après les directs, parce que là, nous sommes en direct. Merci beaucoup. Donc, je disais que les Occidentaux, quand ils sont venus nous enseigner la Bible, ils ne sont pas venus avec le modèle africain que nous avons aujourd'hui. La foi africaine dépasse maintenant même. C'est comme si ça dépasse même ceux qui nous ont appris. Est-ce que les Africains commencent à avoir plus la foi que ceux qui les ont enseigné Dieu, ou c'est leur façon que Dieu les a révélés à avoir leur foi tout en étant sur place sans agir? Merci beaucoup, Papa John. Que Dieu vous bénisse. Amen. Déjà, je pense, Papa John, j'ai toujours eu à éviter ce genre de débat. Mais ici, je dois vraiment m'imposer à vous répondre avec beaucoup de technicité, sans pour autant toucher, n'est-ce pas, nos amis de l'église. Il y a beaucoup d'églises, hein, église de Noir, église ici, je connais, je respecte beaucoup. Mais ici, je vais vous dire une chose, Papa John. D'abord, je m'invite en faux en disant, ce n'est pas vrai ce que des fois je vois les gens dire. Qui sait que ce sont vraiment les Blancs qui nous ont amené l'Évangile? Ça, c'est l'histoire qu'on nous a aussi racontée. Les 3 C, le christianisme, le commerce et la colonisation. Voilà. Ça, c'est l'histoire. J'ai lu ça. Maintenant, qui nous dit que la vraie politique des Blancs, c'était pour venir nous imposer la foi? Moi, je sais. Je fais les écoles catholiques. Je sais que les colons, je parle de mon pays en RDC, ils ont utilisé l'évangile pour mater, à moins que je me trompe, Papa John, mais je sais que vous êtes prof, c'était un moyen pour rendre les noirs obéissants et doux. C'est-à-dire, ils ont largué le prêtre, je dois le dire comme ça, qui ont préparé les terrains un peu pour eux, pour que quand on pourra peut-être chicoter, quand tu liras dans la Bible, il faut obéir à ton chef, tu ne vas pas réagir négativement. Alors, ça, c'est l'histoire. Mais nous ne prêchons pas l'histoire, Papa John. Nous prêchons une foi dans laquelle nous tirons. J'ai dit moi, je tire ma vie. C'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. La nouvelle naissance ne regarde pas l'âge à laquelle est marquée la date de Papa John le né. Papa John est né le jour où il a cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors, si je dois rentrer dans les débats là, je pense que ça va me retarder. Mais si je peux faire un parallélisme actuel de la vie chrétienne en Afrique, je crois que c'est ça la vraie question, et la vie chrétienne ici aux États-Unis, en Europe. Vous verrez les Américains ont une autre manière de prier dans leur foi parce qu'ils savent, if I can study hard, if I can open a business, I will hit. Et peut-être vous dites maintenant, le noir, il va dire, ou l'Africain, pour ne pas léser ma peau ou ma communauté, l'Africain dira, Nzamba Nzamba kosala la kaka. Nazotale la Nzambe, c'est ça nos termes, moi je vis en Afrique. Papa John, faisons attention. Quelqu'un qui a mangé, qui jeûne, et quelqu'un qui n'a pas mangé, qui jeûne, ne sont pas. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Quelqu'un qui est habitué à être affamé, qui jeûne, ça ne va pas trop, mais je dis bien, ça ne va pas trop m'impressionner. Parce qu'il est habitué à la faim. Mais quand quelqu'un est dans l'abondance, comme David, quand quelqu'un est dans l'abondance comme Esther, je me pose la question. Esther était reine. Mais Esther a talé la Kinzambe. Esther 4, verset 15, 16, 17. Esther était reine. Mais devant une situation, Esther a talé la Kinzambe. Et bon, on a mon beau là. Ceux qui n'ont pas dit, ils ont dit, pourquoi l'Américain blanc ou les Français blancs va dire que je suis dans la distraction? Non. En réalité, j'encourage ces personnes. Au bataille la Kanzambe, mais sans qu'ils oublient, la Bible est claire. Elle dit la foi sans les œuvres. Vous voyez comment est-ce que Dieu est équilibré? La Bible dit tu peux avoir la foi, mais tu dois travailler. La foi sans les œuvres, elle est inerte. Ici, on ne parle pas seulement les œuvres de la prière ou les œuvres de bonté. On dit sans les œuvres. On ne mentionne pas quelle œuvre. Quelle œuvre? Si tu veux être grand, tu dois avoir la foi, mais tu dois étudier. Tu dois avoir la foi, mais tu dois travailler. Tu dois avoir la foi, mais tu dois te battre avec un courage. Parce qu'on n'a pas un esprit de timidité, mais nous avons un esprit de courage, comme Gédéon. Donc, Papa John, pour quelqu'un qui est déjà, qui est affermi dans les choses de Dieu, qui est affermi dans les enseignements, il va avoir une foi de folie,
mais qui ne va pas lui rendre comme un fainéant qui attend. Il doit poser des actes, il doit prier beaucoup, parce que je vous ai toujours dit que la prière est le carburant de la foi. Il doit travailler pour qu'enfin, j'ai une thématique personnelle que je prêche, et je l'ai dit encore à quelqu'un, if you have Jesus Christ, if you have God, you should have God in your heart and money in your pocket. Tu as Dieu dans ton cœur et tu as l'argent dans les poches. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc, il n'est pas étrange pour que quelqu'un qui a la foi, qu'il prie et qu'il attend de tout de Dieu. L'exclusivité de nos bénédictions vient d'en haut. Et si un blanc, si un noir a encore les complexes de dire qu'en Europe on prie ceci, en Afrique nous prions comme ça, je m'excuse, Papa John, mais il n'est pas encore mature dans les choses de Dieu. Parce que ce sont des débats qui ne doivent plus avoir lieu. Je pose la question, Esther avait des problèmes. Pourquoi Esther a gêné? Elle qui était reine. Elle pouvait juste dire, je me fais belle. N'a envoûté mon balinangaï. Mais Esther a compris, ce n'était plus une question de physique, mais c'était une question où il fallait qu'elle prie Dieu avec foi pour que la décision change. Donc, blanc, africain, asiatique, notre dénominateur de la foi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai beaucoup de versets que je préparais aujourd'hui. J'espère que Papa John me donnera le temps pour les donner et les lire selon que Dieu permettra. Selon que Dieu permettra, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions qui me viennent sur la foi. Je suis malade. Je ne sais pas parler. Vous êtes malade, vous ne savez pas parler. OK. Inconscient. Inconscient encore. Ça, c'est un exemple. Hein? C'est un exemple. Quelqu'un vient, OK. il prie, et juste après sa prière, je me rétablis. Est-ce que c'est sa foi qui m'a sauvé ou c'est ma foi à moi qui m'a sauvé? La question elle est pertinente, Papa John. Je vais lire la parole du Seigneur et puis je vais répondre à notre Papa John qui a toujours des questions. Je lis au nom de Jésus, Amen. Papa John, Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 22 pour répondre à votre question. OK. Matthieu 9, 20, 22. Bien aimé, comprenez, aujourd'hui j'ai souhaité rester dans le Nouveau Testament parce que je vais parler de la foi en Jésus. La foi chrétienne, la foi de l'Église actuelle devra être basée en Jésus-Christ, qui est le dénominateur et le consommateur de notre foi. Amen. Je lis Matthieu 9, 20, 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Papa John, je suis prophète. Je vous ai toujours parlé des chiffres. 12 représente les chiffres 1 et les chiffres 2. Quand je fais 1 plus 2, ça fait 3. 3. Je vais revenir sur ça. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière, s'approcha par derrière, et toucha le bord de son vêtement. Amen. Amen. Car, écoutez, Papa John, moi, c'est ici où je suis. Car elle disait en elle-même, Papa John, qu'on ne te mente pas. Le miracle de la foi commence par la personne qui croit. Même si tu es inconscient. Parce que déjà, tu es inconscient. C'est ça votre question, Papa John. Vous avez dit, vous ne parlez pas. Vous êtes inconscient. Vous avez ajouté quelque chose. Et vous ne... C'est tout? Inconscient. Sans parler. Sans parler. Je suis malade. Et vous êtes malade. Donc déjà, apparemment, vous ne vous appartenez plus. Or, pour que quelqu'un vienne prier pour vous, pour qu'un pasteur... Parce que je sais que vous allez tomber sur moi. Pour qu'un prophète, un pasteur vienne prier pour vous, soit c'est votre femme qui a appelé, soit ce sont vos enfants, soit vos parents ou votre famille. Soit aussi ce sont les pasteurs qui passent comme ça, il y a des gens qui sont... Soit c'est un pasteur qui passait. Voilà, je suis là. Alors, le pasteur l'a pris qui passait. Je prends l'option qui vous plaît. Un pasteur qui passait, il voit Papa John malade. Le fait que vous... Vous ne savez plus réfléchir parce que vous l'avez dit, vous ne parlez plus, vous êtes inconscient. Si ce pasteur-là, premièrement, il a la foi et c'est un homme de Dieu intègre, Dieu ne peut pas résister à sa prière. Quand il priera sur vous, le miracle sera automatique. Même si ça ne se fait pas à la minute, mais l'Éternel vous guérira.
Et la prière, c'est quoi? Parce que Mais que j'ai... Ok, d'accord, papa. Merci. là, la personne a prié. Maintenant, la prière, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par une prière? Et comment doit se faire une prière? Comment aussi doit se faire une prière? Doit se faire une prière. Qu'est-ce que la prière et comment ça doit se faire? Merci beaucoup. Je termine mon verset. Je rentre là. Et la personne inconsciente, la personne ne sait pas parler. Mais ici aussi, je vois une femme qui n'a pas parlé à Jésus, mais qui était consciente de son cas, de son problème. La Bible dit, cette femme avait perdu 12 ans. Elle avait perdu tous ses biens, si vous lisez au-dessus. Elle a vendu ses bijoux. Elle cherchait une solution. Je me pose la question et je pose à l'Église la question. Vous qui doutez qu'il y a des combats spirituels, vous qui doutez qu'il n'y a pas la sorcellerie, vous qui doutez que Bamba soit le Kuta, je te pose la question, bien-aimé. Jésus passé, comment est-ce qu'une femme là, en Israël, pendant 12 ans, pouvait avoir de pertes de sang si ce n'était pas une maladie anormale? Donc, il y a des cas anormaux qui peuvent rendre notre vie misérable. Et quand tu as la foi, avant même que tu pries, si tu t'agenouilles dans la présence de Dieu, comme cette femme, on n'a pas prié pour elle. Jésus n'a pas prié pour elle. Mais la femme a vécu son miracle. J'ai lu pour répondre à notre papa John, la prière c'est quoi et comment doit-on prier. Donc, ici, papa John, la Bible dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Papa John, je nous avais dit la dernière fois ou la première fois qu'on a eu à faire la mission, la prière c'était un canal où l'on communique avec Dieu. J'avais défini ça d'une manière brève. Mais toute prière ne peut pas se faire de la même manière. Devant un cas particulier comme ça de maladie, devant un cas de chômage, est-ce que quelqu'un qui vient de subir une fausse couche, une personne qui vient de perdre un mari, une femme, la personne n'en est plus normale. Il va se retrouver dans des prières de supplication. Il y a de ceux-là qui peuvent se retrouver dans des prières de combat. Alors moi, je nous dis, notre thème qui parle de la foi et de la prière. La prière est la résultante de la foi que nous émettons devant une situation. Je ne sais pas. Je pense que ma femme est en train de me suivre. Je me rappelle, dans nos premières années de mariage, un jour, ma deuxième fille, avait fait une forte fièvre, Papa John. Et pendant qu'elle avait cette fièvre, je pouvais voir spirituellement. J'espère que vous n'avez pas posé la question comment j'ai vu. Non, là, je ne peux pas poser. J'ai posé deux fois cette Voilà. question-là. Alors, je vis que ce n'était pas une maladie normale. Je vous ai ramené dans la Bible de la perte des sangs. Jésus qui guérit, pas parce qu'il a prié, mais parce que la foi émise l'a attiré. Parce que la Bible nous montre aussi que la femme était en arrière de Jésus, derrière Jésus. C'est-à-dire, les personnes qui étaient devant aussi pouvaient suivre Jésus na louyenge, dans la foule. Mais quand quelqu'un s'approche de Jésus, quand quelqu'un veut prier avec révélation, parce que la femme là parlait en elle, elle s'est parlé, elle communiquait avec elle-même. C'est-à-dire, elle était en train de se dire, pas à un ami, pas à un prophète, pas à un pasteur. La foi est une dimension de communiquer avec soi-même. La foi est une dimension de faire une prière sans parler. My God. Papa John, la foi est une dimension, c'est un langage qui ne parle pas. C'est un langage qui communique par les actes internes. Donc la prière, en réalité, Papa John, ce n'est pas quand on parle, mais c'est quand on communique. Mais de quelle manière? Il y a de ceux qui invoquent. Jérémie 33, on a parlé avec vous. Je nous ai dit l'invocation pousse Dieu à nous révéler. C'est là où j'ai dit que la Bible ne nous a pas dit tout ce qui est Dieu. Parce que c'est petit. Ça ne peut pas contenir la grandeur de Dieu. Ce n'est qu'un résumé de ce qu'on peut comprendre. Mais pour ceux-là qui veulent maintenant pénétrer ce que les gens ne voient pas, c'est comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle se disait en elle-même. Et devant elle, regarde Papa John, la Bible dit Jésus était entouré d'une foule. La femme n'a pas regardé l'obstacle de la foule. La femme, elle a transcendé la peur. Il y a les hommes, il y a les femmes. La femme a dit, je n'ai même pas besoin que Jésus là me parle, qu'il prie pour moi. C'est là où je nous dis que ce ne sont pas les prophètes qui guérissent. Ce ne sont pas les pasteurs qui guérissent.
La foi est une dimension de rendre ta vie spirituelle dans des décisions unilatérales avec Dieu. I don't know if you're getting me, Papa John. Très bien, come on. Au moins, il y a des come on ici, des come on, yes, come on. Papa, il y en a beaucoup ici. Il y a une dimension que moi je demande au Seigneur par l'aide du Saint-Esprit. Champagne doit vivre, n'est-ce pas, dans les jours qui viennent, ensemble avec les hommes de Dieu qui sont ici, ceux qui passeront ici. Nous n'avons plus besoin de spectacles. Papa John, nous avons besoin qu'on communique la parole. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Et ce qu'on a, doit venir de Dieu doit passer par les hommes de Dieu. Parce que Dieu ne va plus descendre parler à haute voix d'en haut. Il parle par nous. Quittons, my God, quittons les sensationnels. Quittons les spectacles. Pénétrons et invitons l'Église à développer l'intimacy. To develop intimacy with God. To develop, what I can call it? How can I call it? De développer la, my God. C'est-à-dire que les chrétiens de Champagne, des États-Unis, de la RDC, développent l'intimité et la confiance en Dieu avant de faire confiance à l'homme de Dieu. Donc la prière, je nous avais dit que la foi est le décodage de son miracle. Cette femme avait décodé son miracle en elle-même. Elle s'est dit, évite de parler de ce que tu veux voir comme miracle à un ami. Dieu ne met pas opérer des miracles que tu as déjà. Il y a des projets que tu peux émettre en toi. Yes. Je suis ton papa, je suis ton pasteur. Tu n'es pas obligé de tout me dire si tu n'es pas convaincu que c'est Dieu qui te donne cette pensée. Sinon, on risque aux opères sabassali en zambé bas sujet. Chaque semaine, tu changes de sujet. Et si nous, Église, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas prêts à recadrer l'Église, de devenir autonome. Souffrir. Cette femme, elle n'a pas au fait voulu charger Jésus parce que Jésus était déjà embrouillé avec les gens. Mais elle s'est dit, mon problème vient de croiser les chiffres 3 de la résurrection. C'est pourquoi je vous parle de 12 ans. Prophétiquement, la femme avait passé 12 années de calvaire pendant que Jésus, il est le numéro 3, Jésus qui est la résurrection. Jésus qui a perdu 3 jours. 3 jours, bah toi, l'obit que s'il y est soit secoué. Cette femme-là, elle n'a pas cherché que Jésus entre chez elle comme il l'a fait chez qui? My God, c'est Zachée. La femme, elle a dit, si seulement je peux toucher, je parle à quelqu'un à Champagne, si seulement tu peux toucher le cœur de Dieu, si une femme pouvait toucher l'habit, mais si toi tu peux toucher le cœur, ton miracle ne va pas attendre ta prière. Cette femme n'a pas prié. Papa John, lis-moi le verset, montre-moi où la femme a prié pour qu'elle guérisse. Non, elle n'a pas prié. C'est là où je nous dis. Je m'excuse, mais je nous révèle ça. La foi doit précéder la prière. C'était ma question. Vous avez précédé ma question. Papa John. Papa John, je vous réponds alors qu'on ne te mente pas. Ici, je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de moi comme sacrificateur. Yes. Papa John, je nous dis avec assurance. Permets qu'on n'entre pas dans ce débat, mais je vous l'ai dit. Il y a des hommes de Dieu qui entrent dans les conseils spirituels avec Dieu. Yes. Je sais que tu es toujours tenté à te poser comment. Mais je nous dis, il y a une catégorie d'hommes de Dieu, par la grâce divine, Papa John, conseil spirituel, je cite même le nom. Il y a un conseil spirituel, parce que Dieu, dans les jours qui viennent, au-delà de la conférence qu'on va faire ici à Champagne, par la grâce de Dieu, Papa John, je sais qu'un jour, nous allons nous retrouver à Kinshasa, il y a des sommets que nous devons lancer. Yes. Ce sont des sommets de la grandeur. Pour que ceux qui ont la chance de diriger les églises grandissent en acceptant la grâce des autres. Les conseils spirituels existent. Je peux te donner l'exemple, mais ce n'est pas un débat d'aujourd'hui. Mais est-ce que on doit avoir un chrétien? Il doit avoir la foi ou il doit prier? Quel est le rôle de la prière dans la foi? Quel est le rôle de la foi dans la prière? Merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit à ma première intervention ici aux États-Unis. La prière permet que je donne mes thématiques. Permettez vraiment que je donne mes thématiques. Je donnerai des versets. Maman Evelina Yimbi Unginda. Que Dieu bénisse. Elle est en train d'écrire vraiment ici. Elle est bénie. Maman, je vous remercie beaucoup. Maman Evelina Yimbi Unginda. Que Dieu vous bénisse. Papa John. La maturité spirituelle. Ça, c'est maman Lina Badiaka. Que Dieu bénisse, maman Lina. Papa John, excusez-moi. Je vous dis avec certitude, parce que j'ai de preuves personnelles. Je nous dis, quand Dieu permettra, nous pouvons commencer peut-être à vous donner ce que Dieu fait par la grâce divine. Amen.
Papa John, la prière ne peut pas venir avant la foi. C'est un dérangement dans la présence de Dieu. Waouh. Impossible. La prière ne peut pas précéder la foi. C'est comme l'amour doit précéder la femme qu'on voit d'abord, ou c'est la femme voilà. qui précède l'amour. Laissez-moi entrer dans votre question et prendre cet exemple. Je parle même aux mamans. Je parle avec une de mamans qui m'avait reçu avec son mari ici, à Champagne. Je leur ai dit une chose. Il ne faut pas épouser l'homme qui t'aime par compassion. Non. Il faut épouser l'homme qui t'aime. Baling rana mawate. Beaucoup de nos mamans souffrent et de sœurs. Papa John, naka na t'aime. Permettez de toucher. Allez-y. Papa John, basi et belé baso souffri na mabala. Parce que les hommes ne leur donnent plus l'amour. Mibali et belé baso souffri na mabala. Parce que les femmes ne leur donnent plus l'amour. On ne peut pas prier pour que quelqu'un. Moi si, pour moi ça lingon, toi prier moi ça lingaï, non. Non. Toi prier, pasteur, prier ma kasi, mobala moi linganga. Faisons attention. Même Dieu n'a pas fait ça. Dieu a laissé le libre choix. Je vous donne l'exemple. Je prends le cas d'un garçon qui a souffert pour avoir sa femme dans la Bible, Jacob. Papa John, Jacob a travaillé 14 ans au lieu de travailler 7 ans. Pourquoi il a fait 14 ans? Parce qu'il voulait à tout prix quoi? Sa femme. Elle, c'était qui? Rachel Naekaka. Faisons attention, mes mamans et mes papas. Kokende kozwa place à Rachel T. Ato botelier bana. Okomona, tu es dans un mariage, mozo souffrir. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire qu'en sorte qu'un mariage qui ratait parce qu'il y avait l'amour et réussir? Vous savez, c'est quoi? C'est quand le mari développe la foi en Dieu. C'est quand le mari développe la foi en Jésus. C'est-à-dire, à comment linga nzambe na Yesu koleka mwasi. À comment kolinga mobali na ye, à comment kolinga nzambe na Yesu koleka mobali na ye. C'est là où maintenant toutes les vertus qui a Jésus. Jésus est amour, Jésus est pardon, Jésus est compassion. Donc on a équilibre jongi na mabala. Maintenant, nous église, nous serviteurs, nous ne prêchons plus l'éducation spirituelle. Papa, nous comprenez bien. Il y a l'éducation civique et morale que moi j'ai étudié, l'SM. Ici, je parle de l'éducation spirituelle dans l'église. SE. C'est quoi ça? Éducation spirituelle dans l'église. Papa, vous êtes professeur. Je veux que vous preniez ce thème. Un jour, on va développer ça. C'est là où j'ai un ministère que j'appelle l'école d'Esther pour les femmes et l'école de Jacob. Nous devons apprendre, les chrétiens, que la foi dans l'amour doit avoir les œuvres, pas les œuvres de la prière seulement. Foi aux hommes, les âmes mobilées. Les œuvres de la foi dans un mariage, c'est la propreté, c'est la douceur, c'est le pardon, le respect. C'est la compréhension, c'est le respect réciproque et mutuel. Quand il y a la foi, il y aura les œuvres qui vont suivre ce qui regorge la personne de Jésus. C'est pourquoi je dis une foi qui n'est pas basée en Jésus, c'est une foi morte et inerte. Papa John, la foi est le décodage du miracle. Maman Ozo Lanangai, maman Eveline, maman Yvette, maman Lina, qui nous suit encore? Tous mes papas, maman Olga, maman Cathy. Écoutez, les miracles pour maintenir un mari, ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas la prière seulement. Il faut avoir les tactiques que ta foi te donne. Tu dis, ah, papa John, c'est mon mari. Personne n'aime pendant mon mari. Tu dois maintenant comprendre, qu'est-ce que papa John aime? Qu'est-ce que papa Patrick aime manger? Même si lui critique sa famille, ne critique pas sa famille. Développe la... Il y a des maris qui... Ils commencent à critiquer sa famille, t'as l'esprit à moi sinaï. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et l'église manque les enseignements. Au commun, mon père a critiqué la famille, n'est pas un abysso penza. En tout cas, dans le cabela bangote. N'engeza boye, et si papa isenga, moi c'est nous accompagner. Vraiment, on a raison. T'as m'ambassa la kayo, nous avons mouba la de psychologue. On n'a comprendre yo. Bien aimé, la foi exige les œuvres qui accompagnent la foi. Ce n'est pas seulement la foi du miracle pour le travail, le miracle pour les enfants, le miracle pour le mariage. La foi doit changer même le caractère de quelqu'un. Parce qu'on dit que c'est une ferme assurance. Quelqu'un qui a la foi, il est assuré, il est calme. Il a une attitude différente que quelqu'un qui n'a pas la foi, Papa John. C'est là où j'ai dit,
La foi chrétienne basée en Jésus-Christ est une foi de zèle avec humilité, mais avec aisance. C'est pourquoi je nous ai dit, la foi dont je parle, je ne vais pas rester dans l'esprit du miracle, miracle, non. Je vais rester dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui a la foi doit rêver grand. Je nous ai dit, Papa John, quelqu'un qui voyage avec foi dans un bus, ici je ne parle pas d'un miracle dont on a parlé comme la femme de la perte de sang. Je parle d'une vie moderne et normale où la foi chrétienne doit être invitée et adaptée. Dans tous les compartiments de notre vie, vivons la foi en Jésus. La foi de Jésus, c'est quoi, Papa John? C'est la grandeur. Ésaïe 40, 29, 31. La Bible dit, nous allons vivre l'envol comme des aigles. Aigle à vivre en assez? Bon. Toi, tu vois Papa John avec... Papa John, je sais que vous avez des goûts de Jeep. Quelqu'un vous voit en Jeep. Lui, il est à pied, il n'a même pas un vélo. Il commence à vous critiquer. Car tu m'as dit, je me rappelle moi-même, ça je l'ai dit avec amour et humilité. Moi, à Kinshasa, dans ma Mercedes, je dis bien moi. J'arrive à Kitambo, parce que mon bureau était à Kitambo, à Montfleury. J'arrive vers l'avenue Kassavu, vous venez de Bandal. J'entends les jeunes. Viens, viens, tous liaté. Ah, j'ai dit, vous oliatez des grandes personnes comme ça, vous oliatez. Puis, les gens qui disent, vous oliatez, ils sont castards là, très beau, très fort. Viens, vous oliatez. Alors, glace n'a pas de glace, n'a pas de glace, n'a pas de glace, n'a pas de glace, n'a glace, n'a pas de glace, n'a pas de glace, n'a pas de glace. Lundi, tala mandefu. Tala mandefu na Mercedes, n'a pas de qui si bangoye. C'est-à-dire, conception ya jeune one. Moutoiseau kumba jeep na Mercedes avant la kiss. Regarde comment est-ce que nous perdons la foi. Or, la Bible dit Oleke biso batouba na nzambe, to va le couler en poumne ya ba chevaux. La Bible dit je vois, oh, toi qui es à l'alliance de Jésus, tu commences à marcher à pied, à souffrir, et les esclaves qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Jésus en eux, ils marchent sur des chevaux. Impossible, Papa John. Avant qu'on aille au ciel, la Bible dit que la volonté de Dieu s'efface sur la terre comme au ciel. Na lo la bala la kanzalate, na lo la bakoufe la kate. Je viens déclarer par la foi en Jésus, yoko koufe la te, yoko kele la te, yoko zangate, yoko dondwa. Bien aimé, papa, papa, c'est ça, Papa John, ma colère sainte. La foi ne doit pas se limiter dans les mots de Robinganaka, ba démon. Non! C'est de vivre ce que nous confessons et ce que nous déclarons. C'est pourquoi la femme de la perte de sang, j'aime cette femme. Elle a bravé la peur. Elle a affronté la foule. Chose grave. Elle n'avait pas cherché que Jésus. Papa, n'ayez compris, n'ayez. C'est pourquoi je demande à l'église, ne cherche pas à attirer l'attention des pasteurs. Ne cherche pas à attirer l'attention de ton prophète. Toi, cherche le Dieu qui lui prie. Cherche Dieu dans son église, oui. Respecte ton pasteur. Grand Dieu, mais ton miracle ne dépend pas de lui. Ton miracle dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'a même pas touché la tête. Et puis, Papa John, il y a un thème que je vais demander au Seigneur. L'imposition des mains. Je vais arriver là. Les miracles ne commencent pas parce qu'on t'impose la main. Chose grave, je vais maintenant un peu toucher quelqu'un. Et je dis, Papa John m'avait posé une question, l'histoire de père et fille. Vous savez que Jésus appelle cette femme ma fille. En d'autres termes, pour toi qui dans le langage absolu, de Yeshua ben yé fine spirituelle, n'est-ce pas? Yeshua ben yé moi nanaï. Vous savez pourquoi? Parce que la femme avait la révélation que Christ n'était pas humain, c'était un Dieu. Et là, Jésus l'appelle comme son créateur. Ma fille, bien-aimée, il faut que tu touches le cœur de Dieu pour que Dieu devienne Père céleste sur la terre. Et tu vas vivre le surnaturel. La foi est une dimension de décoder son miracle en Jésus-Christ en créant l'intimité personnelle avec Dieu. Quand tu prieras, la Bible dit à l'heure même. Papa John, lis bien ce passage. À l'heure même, les miracles s'opéra. Pourquoi les miracles n'est plus automatique dans l'église? Mais est-ce que la foi doit toujours être accompagnée de miracles? Tout, Papa John. Je ne parle pas du miracle. Comprenez mon langage. Toute foi émise en Jésus doit s'accompagner d'une solution. Maintenant, on appelle miracle, c'est proportionnel au problème que tu avais. Papa John, par exemple moi, je sais qui vous êtes. Je vous dis un message en dehors du caméra. Papa John, je vois 1, 2, 3, 4.
L'accomplissement ne dépend plus de moi. Yes. Ça dépend maintenant de Dieu et de vous qui recevez ce que l'homme de Dieu déclare. Mm-hmm. L'homme de Dieu n'est qu'un pont qui t'amène le message du ciel. Amen. Mais ce n'est pas lui qui va accomplir. Mm-hmm. La Bible dit, à la minute même, à l'heure même, tout à coup, le miracle s'opéra. Je viens dire à quelqu'un, la foi est une dimension de décoder son miracle, de décoder sa résolution, de recevoir ce qu'on veut recevoir de Dieu et non des hommes. Si la femme avait regardé les apôtres, on pouvait la décourager. La femme a dit, nana besoin, Pierre a koutana esouté. Nana besoin, nakoutana jante, nzambe oyo, mwana mobali oyo, yeso se kana simiye. C'est-à-dire, papa John, nous avons sous dimension moussous. La femme, Jésus a prié l'été. Yé moko asambelite. Chose grave, asimbi penzoto te, asimbi elamba. Pe elamba te bouya elamba. Si qu'on a mis toute la question, yonanga te vana Saint-Esprit a vandi. Yes. Mais miracle comme mécanique. Mm-hmm. Parce que nous prions mal. Nous plaçons la prière avant la foi. Nzambe sale langai, ba ininanga ba komona, okomona te. Tang nzamba ko pambo langai, ba kufa. Comment toi tu commences à... Comment toi tu veux que les gens meurent? Tu penses que Dieu pour te lever, il faut qu'il y ait kufa. Tu penses que Dieu pour te bénir, il faut que les sorciers meurent seulement. C'est lui qui a Jésus, a la solution certaine avant même la prière. Jésus maintenant t'entend dans la dimension que tu crois que si tu le demandes, tu as déjà reçu. Jésus t'attend dans cette dimension que si tu crois, tu as déjà reçu. Je me rappelle que Jésus, toute le fois qu'il opérait de miracles... Ta foi t'a sauvé. Voilà, vous avez pris ça de ma langue. Pourquoi il n'avait jamais dit ta prière t'a sauvé. Mais est-ce qu'un chrétien doit-il prier ou la foi seulement ça suffit? Merci papa John. Je peux lire papa John? Yeah, allez-y. Je rentre maintenant dans la Bible. Pour que maintenant nous comprenions pourquoi j'ai dit est-ce que la foi doit précéder quoi? La prière. Matthieu chapitre 21, le verset 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et puis je vais lire la version dans Marc. Matthieu chapitre 21, le verset 21 à 22. Jésus leur répondit, pas le révérend prophète Kiato, pas le président John, le serviteur de Dieu, pas le pasteur tel, pas le prophète tel. Ici c'est Jésus. Leur répondit, si je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi. Comme le grain de sénévé. On ne dit pas si vous priez. Dans tout ce qu'on a besoin ensemble, là. Écoutez, la prière doit maintenant accompagner la foi. C'est pourquoi les révérends prophètes Kiato appellent la prière les carburants de la foi. You must refill it. Maintenant, je t'explique, papa John. Je m'excuse de vous tutoyer. Papa John. Allez-y, papa. Oh. The refilling station is the church. Yes. I don't forget it. Yes. Papa, can you say it in French? Yes. Because I don't want to... L'approvisionnement, le lieu d'approvisionnement, c'est l'église. In prophetic, when someone has faith, dans la prophétie, quand quelqu'un a la foi, he has to refill now his faith. Il doit s'approvisionner, il doit approvisionner and la foi. The gas station, the station where we put petrol or gasoline, et la station d'essence, là, on met le carburant. I want someone to listen to this explanation carefully. Je veux que quelqu'un écoute bien cette explication. When you are pouring petrol in your car, quand tu remplis le pétrole dans ta voiture, it's like you believe in something. C'est comme si tu croyais en quelque chose. You think like I have to reach Bloomington. Et tu penses que tu dois arriver à Bloomington. I have to reach Chicago. Tu dois arriver à Chicago. But with my petrol, mais avec ce que j'ai comme carburant, je ne saurais pas. Let me go to put petrol in Urbana. Laisse-moi aller à Urbana et ajouter le carburant. When you go to Urbana, it becomes like your church, your quand place of refilling. Quand tu vas à Urbana, ça devient comme ton église, la place d'approvisionnement. Now I would like to invite all the pastors. Maintenant, je veux inviter tous les pasteurs. We are like those men putting only petrol in the car. Nous sommes comme ces gens qui sont à la gas station qui mettent le carburant dans les véhicules qui viennent. And when listen to me, pastor and prophet. Écoutez-moi, le prophète et when, le pasteur. When a client is pouring petrol, he will end up paying
Mais quand tu mets le pétrole, le client va finir par te payer. Don't ask him, don't force him, he knows. Ne le force pas, il connaît que ça c'est un gaz. He knows the price. Station. Il he connaît will le swipe prix. His card. Il va it il becomes va like sa carte. Offering Papa John. Ça devient comme une offrande. When you're going to church, you know that I have to give to God. Quand tu vas à l'église, tu connais que tu dois offrir à That's Dieu. That's why you can see Papa John. Yes. In America you guys used to put petrol yourself. Mm-hmm. Even though you run. Yeah. One day they will stop you. Ici, par exemple, aux États-Unis, nous avons l'habitude. Bon, c'est, nous mettons nous-mêmes le carburant. Même si tu fuis, on cameras watch you. Il y a des caméras. Now, our God is omniscient. Notre Dieu est omniprésent. We don't have to force believers to give seed. Nous n'avons pas. Pesakaka, no. Nous n'avons pas forcé à donner la semence. In order for them to get petrol. Pour eux, pour que eux puissent avoir le carburant, they will put something to the hotel, to the altar. Ils vont mettre quelque chose à l'hôtel. Beloved, bien-aimés, don't let church people to run away because you are putting now money before miracles. Ne fais pas fuir les gens de l'église parce que tu mets l'argent avant la parole de Dieu. We don't have to put money. On ne doit pas mettre l'argent avant. We must only put Jesus. Nous devons mettre Jésus. He is the one who will be convincing people. C'est lui qui convainc les gens. To support you. De te soutenir. Papa John, yes, l'un de freinage du miracle. Because les chrétiens, they are discouraged. L'un des freinages de miracle, c'est parce que les chrétiens sont découragés. C'est parce que vous, papa, quand vous libérez une parole, s'aimer. Il faut que tout le monde la paix s'aimer. Papa John, nani penda eloko yo salanga. Papa John, moni ndenge na yé na champagne. Wow, vous savez les carburants là, c'est fort. Hein? D'approvisionnement là, c'est fort, papa. Wow. Non, allez-y, papa. Allez-y, nous avons 18 minutes qui nous restent. Nous terminons à 1h30. Papa John. Oui, papa. Ah non. Est-ce que... T'as là, le diable est en train de blaguer avec, avec les enfants de Dieu. Yes. Papa John, avant, au moni, Dieu n'est pas notre ami. Nzambe, azam, on n'a pas sauté. Yes. Papa John, au moni, mouto, yo, n'a pas eu le romanco, mouto, t'as l'accident. N'a mouto, ça l'accident. Oh, il y a ça l'accident qu'on explique au thé. Mais oh, il y a mon qui explique au bilo comment ayaki a freiné te nzambenda kela yonanga. Aye bise qu'il te faut. Bien aimé, je suis pasteur. Par la grâce de Dieu, cette année, Papa John, je fête, je ne parle pas quand j'étais serviteur dans l'ECC, dans Nzambe Malamu, je parle quand Dieu m'a consacré. C'est en 2003 wow. que j'ai commencé à servir dans mon église à Kinshasa, aujourd'hui je suis à Djobo. 20 ans jour pour jour. Bien-aimé, quand tu veux un miracle, développe l'autonomie spirituelle. Moutoumo kota komme malika mouno loko la yomoko eza lokuta. Yes. Eza kaka yeshua ni maki ekoulous na mema problème na yo. Même moi qui te prêche, quand j'aurai faim, je dois manger. Je peux gêner avec toi pendant 3 jours. Je peux gêner avec toi pendant 7 jours. Mais ne sois pas sûr que nous allons 40 jours pour Nayo. Donc, ta croix là, tu ne dois pas la fuir. Affronte ta croix. Monte à Golgotha. Bien-aimé, ton miracle t'attend à la sommité. Yes. Dieu, il a promis aux Israélites Canaan. Mais il les avait cachés qu'il y a un désert devant. Il avait caché aux Israélites qu'il y avait un Jéricho. Bien-aimé, pour ton miracle, tu vas être devant Jéricho, mais Dieu t'attend dans la foi. La foi te donnera la capacité de patienter. Tu marches dans le désert. Quand Dieu comprend que tu veux mourir, manekiti. Wow. Mais quand tu arrives devant la porte de ton miracle, Dieu ne veut plus que tu pries beaucoup. Il veut que tu commences à adorer, à louer. Bien-aimé, même quand tu n'as pas encore vu, ne fais pas de prières de distraction. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain. Les gens ne comprennent pas la kisi nini. Tu comprends qu'on s'appelle ma prière moko inutile. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Il t'attend dans la dimension de les louer et de l'adorer. On liete, aussi nzambe, pona on a liete. Mais le kolo nimi na liete, nazo yembe la yo, nazo kumisa yo. Ne fais pas les prières subjectives. Oh, si t'as kama kombe ba noko. Depuis que tu cites le nom de tous tes noko, de tous tes grands-pères, de toutes tes cousines. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Il est temps que tu cites le nom de Jésus.
tu sois objectif, que tu sois objectif, et que ton miracle ne soit pas de miracle mécanique. Ton lemi ba thème ya ba année, année de grandeur, au souffrir année ango, année élargissement, au père de bandak, année ya je ne sais pas ya percé, ba botoli ondako, année ya ceci, ba blacklist sur la banque, parce que ton comme ça la prière émotionnelle est sensationnelle. Dieu n'est pas notre ami, Dieu est notre créateur, nous dépendons de lui. Papa John, je déclare à Champagne le 9 septembre, Papa John. Yes, le 9 septembre 2023. Yeah. Attends qu'on se retrouve trois. Yes, ton sang, papa. On va prier. On mais ce que Dieu fera, bien aimé, ça ne sera pas moi. Yes, ça yes. sera pour sa gloire. Yes. Papa John, la foi doit précéder la prière. Amen. Et la prière maintenant, my God, écoute ça. La prière ne doit pas être une prière curative. Préventive. Attends à nos balités, prier là comme nos balités. Parce que quelqu'un qui a la foi, Papa John a défini ça selon la Bible. Mm-hmm. Quelqu'un qui a la foi, il croit déjà que, et si Nazu Yango, il a nos bautités. Pourquoi tu n'aimes pas prier pour tes enfants que tu n'as pas encore vu? Pourquoi tu ne donnes pas les noms de tes enfants? Bien-aimé, je déclare au nom de Jésus-Christ, si tu désires avoir des enfants, donne déjà le nom. La layette. Yes. Amen. Ça la layette. Amen. Somba berceau, somba porté bébé, somba couleur y a moi na olingi. Nzambe ba mekakete, mais Dieu il aime des gens qui croient. Wow. Et qui agissent. Wow. Pourquoi tu veux tout attendre seulement qu'on te prophétise? Pendant que tu as la prophétie en toi, c'est Jésus-Christ qui a accompli tout dans ta vie. Papa John, la foi qu'on me cherche de verser, mais moi je suis christocentrique, je répondrai par la Bible. La foi doit précéder la prière. La prière maintenant c'est quoi? C'est celle qui maintient la foi que tu as émise. Elle maintient ça. Quand tu vas te fatiguer, tango sambela, karibirezo kota yo nzambe, nzamba lola, yo lobaki nanga, olobaki Habakouk chapitre 2. Même si ta promesse tarde, je l'attends, elle s'accomplira certainement. Mais aux 800 dollars, aux 850, aux 1000 dollars, nzambe, ofa nanga yangoyo, kona yebi. C'est là où moi je suis contre. De commencer maintenant à imposer l'offrande. Je ne sais pas si tu comprends. Avant la prière et avant la foi de quelqu'un. Ce qui m'a dit foi n'a pas 10 dollars. 10 dollars, on a 100 dollars même prière, on a 1000 dollars. Papa John, la prière, on a prié 100 dollars, on a 1000. Elles ont dépendu de Nangate. Moi je vais prier, mais c'est lui qui va accomplir. C'est Jésus. Amen. C'est Dieu. Maintenant, Papa John, je ne sais pas, vous allez me faire peut-être l'exercice avec les gens qui nous suivent. Vous allez me chercher maintenant là où la femme, là, quand elle est guérie, où elle fait l'offrande. Il n'y a pas. J'ai dit que les gens nous aident. Hein? Non, encore, on a des détails où on a été. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai fait quand même les études bibliques? Vous pensez que cette femme n'a pas fait l'offrande? Sûrement, moi, j'ai dit qu'elle a fait l'offrande. Mais pourquoi la Bible n'en parle pas? Parce que l'offrande n'était plus trop importante que ce qui s'est passé. Papa, tu as dit, forget it me. La Bible dit avant, elle a vendu des histoires. Maintenant, Jésus lui montre quoi? Ta foi peut te donner les miracles sans que tu sois, n'est-ce pas, créditaire de ton miracle. Il y a des gens, parce que Dieu a utilisé sa main sur quelqu'un, a commencé le quoi là? Le quoi là, mais habité. Machine à produire. Etienne. Bob Etienne. Abetiko d'Abimisi, ce n'est pas bon. Jésus n'a pas emphasize. Après le miracle. Baptisé guéri. Cherchez-moi ce qu'il a fait comme acte après. Ce sont des juifs. Je sais qu'ils ont fait des actions de grâce. Mais pourquoi la Bible n'en parle pas? Parce que l'important, ce n'est pas ce que tu m'amènes. C'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi j'ai dit, nous n'allons pas diriger Dieu. Laissons Dieu diriger son église et ses serviteurs. J'ai dit. Je ne sais pas si vous avez senti comme moi quand Papa Patrick a vibré. Il a commencé, il est fatigué, hein? Mais la fatigue de foi, ça part. Hein? Je dis merci à vous qui nous suivez depuis Kentucky. Vous vous appelez Madame Evelina Yimbi. Vous avez dit que vous êtes à Kentucky. Oh, maman, je serai à Kentucky déjà depuis demain, je crois. Voilà. Que moi, Dieu vous bénisse. Je suis à Kentucky. Maman, Papa sera à Kentucky. Vous tous qui êtes connectés, je vois vos commentaires. Merci.
Nous n'avons pas annoncé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui sont en ligne. Papa, nous parlons de la foi. Merci. Papa, nous parlons de la prière. Vous, aujourd'hui, si quelqu'un vient comme ça, il vous dit, merci. Papa Kiato, vous me conseillez quoi? Que je garde la foi ou bien que je continue à prier? Les deux. Il faut que les deux marchent ensemble. Mais ce que je dis ici, c'est quoi? Quand la foi marche avec la prière, il faut maintenant que ta foi attire ta prière. C'est-à-dire quoi? Je dois être ministre. Mmh. Tu ne peux pas émettre le souhait d'être ministre bien-aimé. Tu ne veux pas parler l'anglais. Tu ne veux pas parler les français. Vous voyez maintenant l'horreur des promesses. Oh, ngana koba la mundele. Tu ne veux que manger dans les maléwa. Moi-même, je suis d'Engaliema. Naebi malueka, naebi ozone, natambola makoloba sangamamba, na kota, 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 kota. Je ne peux pas te mettre un point. Quand tu aimais la foi, tu dois affronter. C'est pourquoi cette femme-là a affronté la foule. Nalingi, nazala un jour ministre, tanga classe. Je ne te refuse pas les miracles. Bien aimé, n'attends pas David, hein. Naba Salomon, faisons attention. David. Salomon, Bazalaki na lignée ni. Il faut faire attention, papa John. Ils étaient de quelle lignée? Tant moussous. Ngaï na yo. Ba famille na biso ezanga kombo. Papa na ngaï ayebanite. Koko na nga ayebanate. Ne te compare pas avec les enfants de la lignée de Nelson Mandela. Papa John, moi na Nelson Mandela na besoin de priété. A okouta déjà nyos. I don't if I get in me. Que Dieu bénisse notre pays. Bah, on a fait maréchal Mobutu. Bah, quoi qu'on a écoute. Papa, bah, ça, bah, il faut rebeller pour ça, le coup, là, il y en a gâté. Parce que, ligné na bango, et facilita bango ma kambou moko boue. Parce qu'on a n'a yon toleki bango na nini. Tozo dépendre na kombo ya moutou akoufate. Yes. Tozo dépendre na moutou akoufakate. Moutou avan na liwana vie na maboko. Comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. La question était quoi, pas John? La question vous allez conseiller aux gens de garder la c'est-à-dire foi. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi on a Sengio. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui doit avoir des rêves. Il faut les que la bato mayele. Bien aimé, batoukoutou a beta kaba géo yaba. Comment on dit ça? Ba géo yaba permis na Congo. Azo croire dans Pundo a évité. Punda manga oyo. Punda oya ko gagne. Punda ko gagne. On voit la paix pour comme ça. Punda oya gagne. Parce que yo, ezama kamwa punda te. Yosaka a formule mot simple. Grand est de Dieu, la foi et la prière. C'est pourquoi maintenant je vais dire, il y a une dimension qui doit précéder la foi. C'est la crainte de Dieu. Yes. Papa John, yes. Tu peux bien et beau développer la foi s'il n'y a pas la crainte. La crainte de Dieu est différente de la foi et de la prière. La crainte de Dieu maintenant c'est la vie que tu mènes. Yes. Tu peux faire 40 jours dans l'église. Foi na ya maloba. Ozola la tolo na se. Soki motema no. Na misale ezambindo. Bien-aimé, tu fais des grèves de faim. Tolo na se. Je vais juste poser cette petite question. Parce que c'est vous qui avez dit, j'ai récupéré ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a une position pour prier? Est-ce que la position aussi compte dans la prière? Ça compte, oui. Voilà. Et si aujourd'hui vous devez dire aux gens de comment prier, vous les conseillez d'être à genoux? Ou bien d'être debout. La position d'une bonne prière, c'est la position du cœur. I don't know if you're getting me. Papa John, je veux que vous me compreniez. Ok. La vraie position de la prière, nulle part dans la Bible. Je ne dis pas nulle part dans la Bible, je me corrige, je m'excuse. J'ai dit, je n'ai pas vu Jésus-Christ dans la Bible. Jésus-Christ dans la Bible. Quand il a donné la prière de notre Père, je veux qu'on me montre. Où il a demandé, tu prieras ainsi, tu t'agenouilles d'abord. Ou tu restes debout. Mais il y en a un qui... le notre Père, non. Mais si tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme-la. Le Dieu qui est dans le secret t'écoutera dans le secret. Non, vous me comprenez, Papa John. Je vais suivre ce que Jésus a demandé. Hein. C'est ce que vous venez de me dire. Quand tu es dans la chambre, ferme-la. La porte. Agenouille-toi. Non. Ferme-toi, les dieux qui vit dans les cieux. Dans le secret. Dans le secret. Il t'écoutera en secret dans les cieux. En réalité,
La vraie position de prière, c'est la position du cœur qui est humble devant Dieu et qui reconnaît qu'il n'est pas parfait. La prière qui s'est faite en public, que nous appelons, c'est que nous faisons nous tous à l'église. Je nous ai dit, c'est un réchauffement de bois. La prière secrète là que Jésus nous demande, elle n'exclut pas l'église. Maintenant, c'est la prière où Dieu maintenant ne veut plus que ta prière passe par moi, les prophètes. C'est-à-dire, un conseil, Yeshua appelle ça ma corde de Nyoshi dans la Bible. De Yeshua Sibiso, Kanga porte, Kewapi. La chambre. Ma prière est chambre, comme ma toi et ma bisou l'église. Nzambe nanga ya koukou. Olobaki nanga mboulo. Oui, prière ya koukou. Ponga na yokiam. Donc, l'église nous prions mal. C'est pourquoi aussi Dieu n'agit pas. La position de la prière, c'est la position de ton cœur devant Dieu. Ce n'est pas d'abord d'être à genoux. Tu peux être à genoux, mais tu n'es pas pur. Tu peux être habillé en robe longue. Mais tu es plus qu'une tchoukoumèse. Tu peux être habillé en pantalon tissu comme ça. Un tireur de lutte. Donc, pour moi, la vraie position de la prière, Papa John, c'est la prière de la position d'un cœur sincère devant Dieu. Tu peux être en train de conduire, Papa John, sur le volant, sur l'autoroute. Quand quelqu'un est, quand on m'a soif à Koulukayes, Papa John, moi, des fois, je donne mon exemple pour encourager quelqu'un. Papa, je peux faire, ma femme s'ouvre, tu peux faire, au cas où ça va 20 minutes, 30 minutes, au salé inert. Et puis, moi, je ne prie qu'avec l'adoration. Je ne me lave qu'avec l'adoration. Vous voyez, chacun donne sa dimension. Donc, quand je suis en douche, je suis en Bluetooth. Je suis en adoration. Quand je me lave, j'adore. La vraie prière, c'est la position du cœur devant Dieu. Tu peux être à genoux. Au cours là, on a assez tôt, on a assez. Au cours là, on a assez. Au cours là, on a assez. Vanda. Mais ce qui m'a dit, il y a solo. Et ce n'est pas ni pour faire un peu de c'est ça la vraie position. Après tout ce qu'on fait avec les corps, on a mis ce monde. Mais nous avons un monde qui a été mis. On a mis ce monde. 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 On a mis tout. Mais maman, oyo. Même si c'est comme la rabbi son nom. Tu vois une maman qui se donne dans ton église, l'église que tu diriges. Quand je dis mon église, ce n'est pas à moi que je dirige. L'église où je suis responsable, visionnaire. Maman, pourquoi vous m'avez dit, vise au changer. Ok, qu'on priait, on priait, on s'y disait, mais quand Dieu te montre les histoires que la maman fait ou le papa l'a fait, au cas où tu m'as prié, ok, c'est papa, change ton cœur. Il y a des gens qui n'aiment pas l'évolution des autres. Papa John, à l'église, à Zosambela, mais mon thème n'est pas l'équité. Moutoko le kangate. Gande pate, gande partenaire à l'église. Aligné moutoussou à l'équipe en bon moté. Pour que yé na sani, à maté batoumoussou na, la commission y a ma partenaire. Aligné ka yé de batanga combo. Papa boya sali boy, maman boya sali boy. Bien aimé, si tu es encore dans la dimension de faire des prières pour ba monayo, de faire des dons pour ba monayo, bien aimé, moi le pasteur, je peux t'acclamer. Mais si tu ne touches pas le cœur de Dieu, si la position de ton cœur n'est pas en ordre avec Dieu, tout ce que tu fais, ce sont des crises, ce sont des grèves de faim, ce sont des dérangements comme un tonneau qui fait du bruit. Ce sont des crises, ce sont des dérangements comme un tonneau qui fait du bruit. Nous allons laisser au pasteur le temps, si Dieu le permet, de libérer ce que Dieu a mis. Peut-être ce sera pour vous, peut-être c'est une prière qu'il fera pour vous. Nous allons nous mettre derrière. Vous savez, quand j'appelle Papa Kiato, je ne l'appelle pas Kiato, je ne l'appelle pas Patrick, je l'appelle Papa Kiato. Mais Dieu, nous l'appelons Jésus, Yahweh. Est-ce que nous sommes des impolis religieux? Ça sera la semaine prochaine. Ça c'est... Wow. Ça, si c'était, je viens comme ça, j'appelle seulement mon père. Norbert, viens ici. Nzambe yaka. Mais c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est bien. Yesu yaka. Je paraphrase un peu. Je dois vous répondre, Papa Dieu, parce que je ne peux pas laisser passer comme ça. Quand on appelle Jésus, quand on appelle Dieu, n'oubliez pas d'abord que dans la Bible, on dit Jésus, mais il faut comprendre quel est le sens du mot Jésus. En vrai, son vrai nom, c'était Emmanuel. Mais on l'appelle aussi Emmanuel, on ne dit pas Yaya Emmanuel. C'est ce que je dis, je vais répondre. C'est-à-dire, Emmanuel a un sens spirituel dont tu n'as pas besoin de mettre un article devant.
Moi, on a cassé l'émission. Mon papa, on a cassé l'émission. On a cassé l'émission. Il y a la fois prochaine. Nous disons merci, Maman Kabibi, Maman Christine Kimouini, Papa Blaise Malola. Vous nous avez suivis de partout aux États-Unis. Vous nous avez suivis de l'Afrique. Maman, mère double, Maman Yvette. Nous vous donnons rendez-vous le 9-9-2023 à 15h. Ça sera où, Papa John? Ça sera à Yacht Place. Yacht Place. Le même endroit où nous avions accueilli Ndeko Eliezer, le même endroit, un bon cadre pour Dieu. Les 3, et plutôt le 9 septembre 2023 à 15h, nous serons à Yacht Palace, prière de la diaspora. Nous partons en concert, nous payons l'argent, nous conduisons des kilomètres, nous voulons aussi voir des gens qui disent que moi, je vais conduire 10 heures, je vais conduire 5 heures, pas pour avoir l'argent, pas parce que j'ai le coût qui me dérange, mais parce que je veux qu'un Congolais qui ait une X endroit, que ma prière soit une solution pour lui. Je vais laisser papa, s'il va prier, qu'il prie, s'il va libérer des messages, qu'il libère, selon qu'il voudra. Il est 31, nous avons dépassé d'une minute. Je vais laisser papa parler. Je vais derrière la caméra comme je le fais toujours. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense que nous serons encore en direct peut-être demain. Peut-être demain. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci papa, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Nous avons été trop bénis. Alléluia, que Dieu bénisse toutes ces personnes. Je voudrais que vous vous mettiez un peu au milieu papa. Alléluia. Que... Yeah, voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, nous allons adorer. Et je vous donne rendez-vous sûrement demain avec l'aide du Seigneur. Parce que déjà demain, je dois être à Kentucky. Je vais passer plus ou moins 5 jours à Kentucky. Il y a quelqu'un qui demandait c'était où à Kentucky. Vous à Kentucky, je ne connais pas les adresses, mais je dois prêcher les dimanches matin à l'église de notre papa Voice et sa femme Maman Merveille. Et le soir, je prêcherai chez notre papa l'apôtre Limbaya. Et je serai là-bas à Kentucky. Je serai là-bas vendredi, samedi, lundi. Donc, s'il y a une maman, un papa, une famille qui voudrait passer du temps avec nous pour prier et vivre le prophétique au nom de Jésus-Christ, je serai là-bas et nous passerons des bons moments. J'invite Champagne, j'invite les alentours de Champagne, le 9 septembre, l'entrée est gratuite. Nous allons faire une grande prière pour la diaspora congolaise. Ma prière pour toi est que tu ne restes pas subalterne. Ma prière pour toi n'est pas et que tu deviennes aussi quelqu'un qui a la signature aux États-Unis. Amen. Quelqu'un qui est une bénédiction pour les autres. Et tangamakakate yo sa ila kabatu. Et comme il peut tangou yo pe, batouba sa ila yo, mais yo o communiqué yesho. Dans les noms omnipotents de Jésus-Christ, je ne sais pas si notre micro est bon, si le son est bon. Amen. Navaliko yembanayo, na lingito yembanayo, que Dieu vous bénisse. Oh, Nzamba Lola, Nzambe Lola, Yahweh, Nzamba Lola, Mosantu, Mosantu. Oh, 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 oh. Hey, away. Oh Jésus, est-ce que tu peux adorer avec moi? God is good. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer de là où tu es? Que ma foi me procure mon miracle. Est-ce que tu peux commencer à déclarer avec moi, Seigneur Jésus-Christ, que ma prière devienne le carburant qui va me maintenir dans la foi. Que je ne sois pas après les hommes. Que je ne sois pas après mon Dieu les humains, mais que je sois après toi. Que je te suive, que je te cherche, Seigneur Jésus-Christ. Que cette femme qui m'a suivi, que cet homme qui m'a suivi, mon Dieu, mon roi, qu'il vive un miracle. Le surnaturel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonzambe na yo, bonzambe na yo, bonzambe na yo, bonzambe na yo. Emema, oyo yasika. Na vie à banana yo. Oye koufa kinzambe. Et c'est quoi? Oye la la ki la mouka. Oye ba iba yango moko e zonga. Na kombo na. Alléluia. Elia. 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 Elia.
Elia. Yesu. Elia. Elia. Yahweh. Elia. Nzamba Lola. Jusqu'à ce que ma coupe déborde. Salé la maman, mon quoi qu'on cas moi. Mimonisa. Mimonisa. Pesa bi komba ma passa Yesu. Mimonisa. Mimonisa. Opesa guérison. Comme cette femme à la perte des sangs. Yahweh. Que le miracle devienne automatique. Cette femme à la perte de sang. On n'a même pas imposé les mains sur elle. On n'a même pas prié sur elle. Mais la foi qu'elle avait émise, disant que si je touche la robe de Jésus, je recevrai le miracle. Mon Dieu, il y a une maman qui me suit. Il y a un assemblé à l'embi. Ba prophétiser à mon élo côté. Ba lobi ma lobelo côté salami. Mais l'élo, Nzambe, la Bible me dit, ce qui se confie en tes prophètes réussissent. Yes. Que la réussite d'un miracle maintenant, automatique, entre dans la vie d'un mariage. Dans un foyer, dans mon pays, dans la diaspora congolaise aux États-Unis. Qu'il y ait des oracles qui vont se passer. De miracles. Qui seront effectifs. Yahweh, je chasse le mécanisme, j'impose l'automatisme. Yahweh, que ta gloire change notre nom. Parce que ta présence a changé Jacob en Israël. Je veux que tu changes cette femme qu'on appelle stérile en maman Mapasa. Que ces pauvres qu'on appelle pauvres aujourd'hui en entrepreneurs, en millionnaires. Que celui qui va l'obéir maladie au Bomaye. Oh, que tu sois le Jéhovah Rapha qui va imposer la guérison spontanée. As I prayed, je dis béni soit toutes les personnes qui vont me suivre. Je nous invite le 9 septembre 2023. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ces jours-là, Bonzambe, et qu'on impose grâce sur toutes les lois négatives dans nos vies. As we prayed, we say thank you, Jesus Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci à vous qui étiez connectés. Nous avons laissé papa clôturer. Nous nous donnons rendez-vous peut-être demain. Nous serons encore en ligne. Merci à vous qui étiez connectés. Merci à vous qui partagez. Pour le numéro, ils peuvent juste voir les commentaires. Pour le numéro de téléphone de papa, si jamais il pourrait le permettre. Et papa va encore l'écrire. C'est le plus 27 81. Attendez, papa, le temps que j'écrive. Prophète Patrick. Nalingi na mona yo Yesu Nayoka yo na banzembu lelo na mona yo shilo Yesu plus 27 81 311 09 74 plus 27 81 311 09 74. Oui, oui. C'est le numéro du prophète. On le WhatsApp. Vous pouvez l'appeler. Ceux qui l'ont déjà appelé, je ne veux pas faire la publicité de Dieu. Lui-même, il vous a dit que ce qu'il fait, il ne veut pas publier ça que Dieu seul. Mais ceux qui l'ont déjà contacté, ils comprendront qu'il y a encore de grâce. Qu'il y a encore de grâce. C'est pas lui. Lui n'est qu'une enveloppe. Amen. C'est Dieu. Voilà. Nous vous disons merci. Nous vous donnons encore peut-être rendez-vous demain. Nous disons que ceux qui nous ont rejoints en retard, si vous commencez le début de ces directs, vous verrez que nous avons passé quelqu'un qui est mort, qui a besoin de vous. Amen. Je vais vérifier si les gens ont réagi parce que nous vous avons demandé de réagir par rapport à la contribution. Il y avait 295 $. C'est toujours 295, donc nous n'avons pas réagi. S'il vous plaît, il y a quelqu'un que nous devons enterrer, pas ici à Champaign, mais à Chicago. Un compatriote qui est mort, enterrons-le. Papa, merci beaucoup. Jusqu'à ce merci, nous allons clôturer avec cette chanson. Papa continuera à chanter et puis... Voilà, nous avez suivi de partout. Que Dieu nous bénisse. Lolengo Zali Yesu.
Yeso mimonisa, mimonisa, lolengo zali, oh Yesu. Sita kuhacha, baba, mijiza yako baba, baba, baba. Sita enda mbali, nina ngoya, utende mijiza baba. Que Dieu nous bénisse.